No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo retour de course, idée repas. Je vais partir chez Lidl maintenant, donc ça va être un retour de course Lidl. Je vais acheter très peu de choses, comme vous le savez. J'essaie vraiment d'acheter moins de choses que ce que j'achetais avant. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. En plus, avec le beau temps qui arrive, je trouve que c'est plus sympa d'acheter des fruits et légumes frais plutôt que d'acheter plein de choses en conserve ou des choses qui ne vont pas forcément servir pour ce beau temps ou qu'on n'a pas forcément envie de manger. Donc voilà, écoutez, je vais partir maintenant en course et en rentrant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo retour de course Lidl, idée repas, vous plaira. Donc c'est parti les amis. I can be here with you, everything's alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise I won't leave your side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love, love. Bon, je viens d'arriver des courses, les amis, je vous montre un petit peu ce que j'ai pris chez Lidl cette fois-ci. C'est parti, donc j'ai pris ces deux épis de maïs, vous voyez, donc je trouvais que c'était vraiment super sympa, ça commence, hein, le maïs. Moi, j'aime bien pour le barbecue, je trouve ça vraiment super bon. J'ai pris également des tomates comme ça en grappe. J'ai pris un morceau de gingembre. Ça, c'est pour mes boissons. Je vous ai déjà montré dans une des vidéos que je fais maintenant des boissons à base de fruits. Et là, cette fois-ci, je vais peut-être mélanger citron et gingembre. Je trouve que ça va très bien ensemble. J'ai pris un concombre et le trio de poivrons comme je prends à chaque fois. J'ai pris également ces quelques bananes, une barquette de carottes. J'ai pris un paquet avec un paquet des œufs comme ça, il y en a 30. Sinon, j'ai pris également des cacahuètes comme ça, c'est pour faire du beurre de cacahuètes. J'ai pris deux paquets de yaourt grec, comme à chaque fois. Cette fois-ci, j'ai voulu prendre des dattes pour essayer des recettes. J'ai pris également une bouteille comme ça d'huile d'olive, de la noix de muscade moulue. J'ai pris du cumin et sinon, j'ai pris également des éponges comme ceci, du dentifrice, des sacs poubelles. J'ai pris un déo comme ça pour dépanner, un gel douche marseillais, pareil, ça c'est pour dépanner. Et sinon, pour le jardin, j'ai pris ces guirlandes comme ça, lumineuses, pour essayer, je vais voir ce que ça donne dans mon jardin. Peut-être que ça va être sympa.
Et j'ai pris des cache-pots comme ça pour des herbes aromatiques. J'en ai pris deux, gris et blanc et noir et blanc. Je trouvais vraiment que c'était trop mignon. Et par la même occasion, j'ai pris du basilic et de l'amande. Je voulais trouver soit de la ciboulette ou du persil pour mettre ici, sachant que j'en ai déjà au potager, mais c'est toujours sympa d'en avoir à portée de main, hors bord de la fenêtre ou autre. Mais j'ai pas trouvé, je verrai si je trouverai peut-être au marché, je sais pas, je verrai. Donc voilà pour les courses, c'est pas mal ça pour cette fois-ci. Et comme vous le savez, j'achète pas énormément de choses comme je faisais avant, en tout cas j'essaye. Et puis En voilà. fait, il n'y a pas énormément de choses, sachant que j'ai déjà, par exemple, les pommes de terre, des petits trucs comme ça, j'ai déjà dans le placard, le riz, enfin bref, des petits pois, des petits trucs comme ça, j'ai déjà dans le placard et dans le congélateur, donc c'est pour ça que j'ai pas énormément de courses et que j'ai pas acheté encore une fois énormément de choses parce que je n'ai pas vraiment besoin. J'ai la base en fait, j'ai déjà ici à la maison, donc j'ai pris quelques petits trucs comme vous avez vu. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer le grand coffre de jardin que j'ai acheté. Je vous ai montré les petits cache-pots de herbes aromatiques, mais je vous ai pas montré le gros coffre que j'ai acheté. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure en sortant, je verrai. Sinon, c'est pas très grave, je pense que vous connaissez quand même. Et qu'est-ce que je vous ai pas montré l'autre? Je pense que je vous ai pas montré les deux baguettes et le. Ah oui, je vous ai pas montré le petit pain. Vous savez que j'ai tranché sur place chez Lidl. Donc voilà, c'est pas. J'ai pas pensé à vous montrer parce que ça, c'est le genre de choses que dès que j'arrive, soit on commence à manger ou alors parce que je fais les courses très tôt. Donc souvent, on en profite, on prend du pain et on mange quoi pour le petit déjeuner. Du coup, j'ai pas pensé à vous le montrer, mais comme vous avez vu sur les courses, voilà, je pense que c'est pas très grave. Et puis voilà les amis, je vais ranger ces quelques petites choses. Et puis voilà, je vais préparer le déjeuner un peu plus tard parce qu'il est encore tôt. Et puis je vous montrerai de toute façon et je vais vous filmer quelques idées repas comme ça pour que vous ayez l'idée repas de la semaine. Pas forcément les 5 ou les 7 idées repas, mais en tout cas quelques idées. Je ne sais pas, peut-être 2, 3. Je verrai. Voilà les amis. Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I Bon, j'ai terminé de ranger. Comme vous avez vu, après le déjeuner, je vais planter mes deux petites plantes comme ça, là. Et après, je trouverai le petit copain là qui va au milieu. Je trouverai ça au marché, je ne sais pas quel jour, mais sinon, je vous montrerai le jour où je le ferai. Je planterai ça après le déjeuner. De toute façon, je vous montrerai. Voilà. Bon, voilà les amis, prêtes. J'ai rangé les peu de choses que j'avais. Pour ce retour de course, maintenant, je vais préparer le déjeuner. Je suis prête avec mon petit tablier. Et puis, je vais faire quelque chose de simple. Je vais faire encore du passo au barbecue. Je sais que je vous ai déjà montré. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est juste pour vous donner des idées. Donc du coup, je me suis dit que j'allais tout simplement vous montrer ce qu'on va manger. Super facile, des choses que vous avez déjà peut-être vues un peu sur la chaîne. Mais comme je vous ai dit, c'est pas très très grave, on va répéter, ça fait rien. Et voilà, j'ai préparé ça et je vous montre comment je fais. Et comme d'habitude, c'est toujours super facile. Donc, yeah, now I know.
donc le poisson est prêt pour le barbecue et comme vous avez vu, j'ai assaisonné vite fait. Donc c'est pas la première fois que je vous montre cette façon de faire le poisson au barbecue. Je vous ai déjà montré dans une des vidéos il y a déjà quelques jours, je pense. Je vous mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Donc c'est super facile, c'est ce que je fais pas mal en ce moment. Je fais au moins deux fois par semaine. Enfin ouais, deux fois par semaine, surtout le week-end. Je fais souvent ça, par exemple, je ne sais pas, je fais ça un samedi ou un dimanche. Ou alors je fais une fois dans la semaine vers le mercredi ou jeudi. On aime beaucoup, je trouve que c'est pratique et ça va vite en fait et ça dépanne énormément. Donc j'ai assaisonné avec du sel, du poivre, du paprika, un peu de piment de cayenne, du gingembre et de l'ail semoule. Et je mets toujours un peu d'huile d'olive, je ne sais pas si vous pouvez remarquer, pour que les épices imprègnent mieux dans le poisson. En tout cas, c'est ce que je trouve. Donc voilà pour cette idée repas. On va servir ça avec de la salade. Je vous montrerai la salade. Et donc un peu de pommes de terre au four là que je vous ai montré tout à l'heure. Ça aussi c'est quelque chose que je fais vraiment vraiment souvent et j'aime beaucoup. Voilà. Ah oui les amis, je vous ai pas montré les deux épis de maïs qu'on va aussi griller au barbecue. Donc voilà, je vous montrerai une fois bien grillé ce que ça donne. In the way we lose it. There's something different about us. C'est salade du potager pour ce midi. Voilà. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Bon voilà, comme vous avez vu, j'ai ramassé les feuilles de salade au potager. Moi je préfère ramasser comme ça en feuilles au lieu de couper toute la salade comme ça. Je trouve que ça dure beaucoup plus longtemps et j'aime bien faire ça comme ça. J'ai lavé, essoré et maintenant je vais la préparer. Je vous montrerai à la fin comment j'ai fait et je vous expliquerai. Voilà, la salade est prête. J'ai mis donc salade verte, comme vous pouvez voir. Tomates, concombres, quoi d'autre? J'ai mis des morceaux d'avocat. J'avais un demi-avocat pour pas perdre. J'ai mis là-dedans, donc voilà. J'ai fait aussi un œuf dur comme ceci. Et j'ai mis un peu de pois chiche grillé. Vous voyez, comme ça. Là, je l'ai fait griller au four à peu près 15-20 minutes avec d'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika et un peu de piment de cayenne. Parfois avec un peu d'herbe de Provence. Et puis voilà, j'aime bien faire ça dans les salades. C'est une salade qu'on peut très bien manger comme ça. Elle est vraiment complète. Mais voilà, donc... pour aujourd'hui, on va la servir avec autre chose, comme vous le savez déjà, avec le poisson au barbecue, des pommes de terre, le maïs, enfin bref. Et puis, voilà les amis. Et le petit mélange qui va bien, je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais bon, c'est pas très grave. Je vous remontre, donc voilà, persil, les deux, plat et frisé. Je mets un peu d'ail semoule, de l'huile d'olive. Vous mettez la quantité, le nombre de personnes que vous êtes. Nous, on est que deux, donc j'ai pas besoin de faire plus que ça. Et je vais tout simplement mettre 20 secondes à 30 secondes au micro-ondes. Si vous voulez faire à la casserole, il n'y a aucun problème. C'est peut-être mieux d'ailleurs, mais moi, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Donc, je mets ça au micro-ondes. Et voilà, c'est prêt. 20 secondes au micro-ondes. Et c'est parfait. Ça, sur votre poisson qui vient de sortir du barbecue tout chaud, c'est juste mais un régal. Donc voilà. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here. Bon, je vais planter ma menthe et mon basilic, mais tout d'abord, je vais mettre la terre dans ce pot là et ensuite je mettrai là-dedans, comme ça. Je trouve que c'est plus pratique parce que là, les petits pots là, c'est un peu trop petit. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now
I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down. Voilà mes deux plantes aromatiques plantées. Vous voyez. Et à l'autre, comme je vous ai déjà dit, mais je trouverai une autre plante au marché, je ne sais pas. Je vais. Pour l'instant, c'est comme ça. Écoutez, on va faire avec. Et voilà, j'aime beaucoup. Je vais placer ça. Je ne sais pas encore où, soit devant la porte ou alors, je ne sais pas, je verrai bien. Dites-moi que si ça vous plaît. Moi, j'adore en tout cas. Je trouve ces petits cache-pots là beaucoup trop mignons. Regardez, je viens de leur trouver une bonne petite place qui va m'être à portée de main quand j'aurai besoin. Et je pense qu'elles vont être bien ici. Voilà. Bon, pour le repas, j'ai fait du riz comme ceci avec des petits morceaux de poivron et de carottes comme vous pouvez voir. Enfin, c'est un riz blanc hein, que j'ai juste rajouté un peu de carottes et de poivrons, donc rien de compliqué. Et pour accompagner de ce côté, j'ai du pois de Val. J'avais préparé ça dans une des vidéos où j'avais fait un retour de course et meal prep. Je vous mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai sorti les pois du Val comme ça du congélateur. J'ai fait revenir dans de l'huile d'olive les carottes. Donc pour les carottes, poivrons et pommes de terre, j'ai utilisé ça, vous savez, pour tous les bien les mixer, broyer. Et j'ai fait revenir dans cette casserole avec d'huile d'olive. Et après, bah, j'ai rajouté les pois comme ça et un peu d'eau. Et ensuite, j'ai assaisonné avec les épices que j'aime bien. Ici, par exemple, j'ai utilisé paprika, herbe de Provence et un peu de piment de Cayenne. Et puis, j'ai rajouté un bouillon de légumes. Donc voilà, tout simple, mais c'est super bon. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ce retour de course Lidl des repas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, c'est complètement gratuit. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, je vous fais plein de bisous.